That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Alors, 1 degré, merde, 1 degré. Ça veut dire que si on sort d'ici, si on sort de la voiture, du camion là, on va avoir froid. Et ouais. Comme j'ai dit, nous avons le froid, enfin la protection de la grange, plus de la voiture. Donc voilà. Toujours se baisser si vous sortez d'un bâtiment, ou alors d'une voiture, ou quoi que ce soit. Ok, pour éviter de se faire attraper par un loup en fait. Ok, en premier, on va aller là-bas. La grange, là, qui est pourrie. Et ce que je veux faire, c'est revisiter cette petite grange, là, machin, là. Cette petite entrepôt du début qu'on a complètement zappé parce qu'on était en train... Oh, cool. En accélérant. Parce qu'on était en train de geler sur place, vous vous rappelez? Et... Oh, du bois. Ouais, par contre, elle va... Ouais, elle va geler là, elle va geler. Si on se, grouille pas, elle va geler sur place. Oh non, non! Il y a un putain de loup. Et il va dans ma direction. Il m'a vu ce con. Reste concentré, Torres. Reste cool. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh la vache. Je viens de penser à un truc, ça serait bien que notre personnage en fait qu'on incarne. Oh, risque d'hypothermie déjà, putain. Réagisse quand il y a des loups et tout ça en fait. Ah, on a loupé le tracteur. Oh, fait chier. J'ai complètement oublié le tracteur qui était juste devant. Bon, on va faire celui-là. Et du coup, je crois qu'on... Putain, mais t'es sérieux, il y a l'ours là-bas. Chier. Il y a l'autre qui gueule. Très bien. Ça inspire que du bon. Faut pas qu'il me sente. Oh, cool. Ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Bah, déjà, on va pas trop traîner. Hein. Je crois qu'on va re-rentrer et se mettre dans la voiture pour se... Oh, putain, du fagot, hein, c'est de la merde. Pour s'abriter du froid. Enfin, de la gelure, ça, c'est cool. Parce que la gelure va arriver dans pas très longtemps. En tout cas, le symptôme. Il est... Ah non, il est quand même... On a encore la journée. C'est ça qui fait chier, c'est qu'on a la journée. Ouais, on va aller dormir une heure. Parce qu'il est pas encore midi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va dormir une heure dans la voiture. On va se réchauffer. Et après, on va tracer là-bas. Je sais pas si on la voit, la grange. Je crois que c'est la grange là qu'on voit. Et on va aller à la deuxième grange... Ouh la vache, le loup il est là. Deuxième grange. Et il y a pas mal d'objets. Ça c'est un très bon spot. La première grange, celle-là, elle est bien, mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Mais sinon après, bon, on peut faire du feu à l'intérieur, tout ça. C'est cool, mais c'est pas le top top. Par contre, je veux d'abord faire le tracteur avant que... Oh la vache, va... Attends, je me baisse, voilà. Et merde, y a rien. On l'a fait celui-là ou pas? Ok. On est dedans. Ça va, il m'a pas touché. On est bon. Ouf. Ah oui, alors si on se baisse avant de rentrer dans un véhicule, quand on sortira du véhicule, on sera en fait en position basse. Donc ça c'est plutôt cool. Non, ça c'est un petit truc à savoir.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser des ressources ici. Donc j'ai laissé de l'eau par terre, tout ça, ça c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, comme j'ai dit, pour la grange, la deuxième grange. Enfin, c'est même une maison, où c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Et après, on reviendra ici, on repassera par là, par ici. Et on partira, on changera de zone complètement, encore une fois. Calories brûlées, 1 heure, 2 heures, non, 1 heure. C'est parti. Tout reste cool. Ok, on a récupéré un peu de froid. Par contre, la gelure, il faut vraiment qu'on soit exposé au feu en fait pendant un très long moment en fait. C'est ça le problème. Si 1 degré, ça va rien faire, ça va jamais s'enlever. Sauf si on reste 3 ans, mais on va sûrement mourir de faim. En tout cas, on est reparti. On est reparti. Ça, c'est pas une porte. Alors le problème que j'ai, on va prendre cette porte. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a un loup dehors. J'espère qu'on est du bon côté pour partir. Moins 17. Ok, les trucs sont là. Alors, faut pas se gourer de côté par contre. Ok, c'est par là-bas. C'est parti. On va s'éloigner le plus possible de la grange très vite. Oh merde, à gauche. Oh, ours! Tu te fous de ma gueule, sérieux. Oh la chance, quoi. Par contre, j'aime pas ce temps-là. Ça, c'est le temps couvert, on va rien y voir. Oh la vache, ça c'est pas bon, ça. Comment c'est pas bon? Il est là-bas. Après, je crois pas que les loups et les ours s'entretuent, mais bon. Ça pourrait être bien. Oh la vache. Alors, on va passer la nuit dans la prochaine cabane et on va faire du feu, tout ça. On devrait survivre. Comme j'ai dit, là-bas aussi, il y a des sortes de cages, en fait, pour les haies. Pour les bottes de foin là ou je sais pas quoi. Là c'est possible qu'il y ait des objets de temps en temps. C'est rare mais ça arrive. Ok, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. A chaque fois moi je me repère avec ça. Les deux là. On va utiliser le sprint. Hein, jamais rester sprint à fond si ça sert à rien. Enfin, si on est dans des zones désertiques comme ça où c'est qu'il n'y a pas trop d'ennemis aux alentours, on peut sprinter. C'est mieux de réduire au maximum la durée dans le froid, quoi. C'est logique. Ok, par contre, là, j'ai un peu peur au-dessus des... J'entends des corbeaux, mais je vois pas de corbeaux. Au-dessus des dunes... Non, ça va. C'est bizarre, on voit pas... Ça fait 2-3 fois que ça arrive. Étrange. Il y a le pont, là-bas. Je sais qu'au pont, il y a des voitures, je crois bien. Donc à la limite, si vous voulez, si vous vous sentez d'humeur aventurière, allez-y, mais moi non. Moi j'ai un plan, je me fie à mon plan et je reste bien assidu à mon plan, parce que sinon... Yes, on y est, ça y est, ça y est. Alors scrutez la zone, si vous voyez un loup, vous criez mais bien fort s'il vous plaît. Et si vous voyez un ours, faites pareil, mais 2 fois plus. Ok. Ferme de la vallée charmante. Ok, très bien. Ok, cool. Ok. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sûr que la première ferme, grange. Il y a une voiture aussi, on va faire la voiture. Parce que je dois avouer que j'ai jamais vraiment rencontré de loups ou de conneries comme ça ici. Donc c'est peut-être pas sur leur chemin, je sais pas, mais ou alors j'ai eu de la chance. Bon, par contre, faut se bouger parce que comme j'ai dit, il fait froid. Hein. Mais on va en profiter vu qu'on est là.
Fais voir un peu. Moins 11, on est à... Putain, on est à 50%. Ouais, 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 il va falloir... Il va falloir se bouger les fesses. Mais fissa, fissa. Ah, thank you. T'es sérieux? Pourquoi j'ouvre ma gueule? Alors avant d'aller dans la maison, je veux aller autre part. Ici. Y a pas d'objet. Ouais, l'autre il m'a perdu, c'est très bien. On peut faire du feu. Là y a rien. Ici y a rien. Ok. Ah. T'es sérieux, il y avait un loup quoi. Là normalement il devrait... Ah yes, parfait. Il fait chaud. Enfin il fait... il fait chaud. Quelle connerie. Il fait pas chaud mais... On va utiliser la lampe. Alors ici, j'allume toujours une lampe, une torche, n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des objets ultra cachés. Et en plus, il fait chaud, donc on peut plus ou moins prendre notre temps. Mais je passe tout le temps à côté d'objets si j'ai pas de lampe. Voilà, déjà, il y a ça, c'est bien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cet endroit, mais putain, ils se sont amusés hein, à cacher les objets partout. Oh yes, des allumettes. Putain, c'est pas magnifique, ça. Cool. Là, là, oh, la loupe. Oh, yes. Oh, je suis content. Ici, c'est vachement bien. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on a un pied de biche. Donc, c'est encore mieux. Alors, par contre, on utilise la lampe, donc on se bouge le cul. Hein. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder les endroits qu'on peut pas voir sans la lampe, puis après la fermer, enfin l'éteindre et regarder les tiroirs, fouiller les tiroirs comme ça sans la lampe pour économiser au maximum, mais bon on va pas exagérer non plus quoi. Sinon on fait tout dans le noir, c'est pas intéressant. Ici on va peut-être s'arrêter un moment, enfin, je promets rien, mais pour lire un peu les notes qu'on a récupérées et fantasmer sur les histoires qu'on peut lire. Mais je promets rien. Je sais pas si on va avoir le temps, en fait. Ok, on est bon. Il nous reste 0,51. C'est très bien. C'est très bien. On en a beaucoup, en fait. Ok, juste... Ok, on peut détruire. Ce qui est bien, c'est qu'on a un marteau. On a un deuxième marteau. J'ai cru qu'il y avait un objet, ici. On a un deuxième marteau, ce qui est pas mal. Hop. Ah, très, très bien. On a de la nourriture à tout va. On a combien? On a... Oh, on a deux paquets d'allumettes, c'est pas beau ça. Alors on se baisse, on ressort. Parce que là... Ok, là il y a rien. Là parfois il y a des trucs. Oh! On referme. Ok, cool. Ici il fait moins 1, voilà. Dans cette petite zone là, qui est pas complètement à l'extérieur, il fait très chaud, j'ai remarqué. Et voilà, on est dans la maison et il fait 5 degrés, c'est parfait, on va pas geler. On a de l'eau et on a 6 litres et on a de la bouffe, on est très très bon. Par contre notre vie descend un peu, alors ce que je vais faire, on va manger ça, on va manger un seul. Et, et après on utilisera tous ces trucs là. Alors j'espère franchement ici trouver un ouvre-boîte. Ça serait magnifique. Putain, là ça sera encore plus magnifique. Cette maison elle est top. Franchement cette maison elle est top. Je pense que c'est possiblement le meilleur endroit pour trouver des objets. Donc passer du temps. Oh putain. Passer du temps à chercher ici. Oh la vache. Derrière le grippin quoi. Sérieux. C'est tellement abusé. C'est tellement abusé. En tout cas, je suis content. Ça se passe bien. Ouais, on va vivre un peu ici. Ah oui, on a aussi des rideaux. Ça, c'est bien pour passer le temps. Le charbon. Ça, c'est vachement cool. Ouh, une note. Oh. C'est cool, ça. Ça va passer. On va lire et tout. Ah, dis-moi qu'il y a de la nourriture. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Merde. Parce que des fois, il y a des morceaux de lapin ou des morceaux de cerf. Si vous avez un morceau de cerf, vous avez le cul bordé de nouilles.
Si on a besoin encore plus d'eau... Attendez. Qu'on loupe rien. Il y a toujours les toilettes. Voilà, on a 2 litres. C'est bien. On a 2 litres d'eau. C'est des coupures de journaux, on s'en tape. Nobody needs this anymore. Combustible. Ah non, c'est juste du combustible. J'ai cru que c'était un nouveau livre. Je me suis dit, tiens, un nouveau livre. Ok, là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'allumettes. Ça serait le top. Mais ça m'étonnerait. On a eu tellement eu de chance avec l'ouvre-boîte et tout ça. Ouais, non, faut pas exagérer non plus, quoi. Non, faut pas exagérer. Étagère. J'ai l'impression de faire des fouilles après... Après que... Genre chercher quelque chose dans une chambre d'enfant. Et l'enfant, c'est genre l'enfant qui fout le bordel tout le temps, quoi. J'ai l'impression de faire ça, en fait, à chaque fois. On va porter ça. Ah, très bien. Ou genre le gosse qui a joué avec vos clés. Saloperie, t'as foutu où mes clés? Obligé de chercher... Obligé de chercher en dessous de tous les meubles et tout ça. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Bon, par contre, on a des vêtements en trop dans les... Oh, je vois un truc, là. Dans les mêmes catégories, c'est un peu chiant. Et ce qui est con, c'est que ça nous prend de la place. Pour rien, donc... Je sais pas si c'est... Je pense qu'on va les jeter. Ça va pas vraiment être utile. Aussi, la chance qu'on a, c'est qu'il fait jour. Et on est en pleine journée. Donc il fait pas sombre. Parce que ici, genre dans ce bureau-là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a franchement aucune lumière, quoi. C'est horrible pour chercher ça la nuit. Il faut une lampe. Ou alors faut connaître par cœur l'endroit, quoi. On a plein de livres, c'est cool. Oh la vache, putain, on a de la chance. Et encore, on doit faire l'étage au-dessus, hein. On n'a pas fini, hein. Donc, pour moi, là, on a de la chance. Voilà, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de bois. Ça, c'est une chaise, ça. 2 heures, ouais, ok. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de choses à casser. Ça, on pourrait le foutre dans le feu aussi. C'est quoi ça? Mais tu vas pas crever, qu'est-ce que tu racontes? Oh la fille quoi. Tu vas pas crever, ça va. On a plein d'eau, on a plein de bouffe, ça va. Enfin, plein, c'est des façons de parler. Les serviettes... Alors après, fouiller dans les environs, je dois avouer que ça sert pas à grand-chose, qu'il y a pas grand-chose aux alentours. Si je crois bien, si je me... Putain, je crois qu'il y avait une boîte d'allumettes en dessous du tracteur. Si je me trompe pas, il y a des chances d'avoir, je crois, des petits cabanons. Genre des trucs de chasseurs, de trappeurs. Je crois, je suis plus trop sûr de ça. Et il y a des chances de trouver des cadavres et tout ça. Mais elles sont très très minces, les chances. Donc je me vois pas trop m'aventurer à l'extérieur. Je pense qu'on va passer la journée ici, on va réparer nos vêtements, parce que ça va nous aider aussi. C'est cool, 9, putain. On va soigner notre problème de gelure. Parce que ça, c'est un gros problème. Et je crois qu'on va passer la nuit ici. Ça m'embête un peu, mais... Ou alors, la nuit, on va partir. Si la nuit est bonne, on part. On retourne à la grange. Mais il va falloir qu'on règle notre problème de gelure. On a fait ici? Non. C'est grand, hein. Je déconne pas, hein, quand je dis que c'était grand. C'est pas mal, on a pas mal de vêtements. Là, je suis content, là. Ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, non. Ce qu'on va faire, on va rester là et on va récupérer des... Qui c'est qui a cassé la télé avant de partir? Ça, c'est con, ça. Et on va récupérer du tissu. Parce que là, on a vraiment un bon endroit pour récupérer du tissu.
15 minutes, 3 tissus, c'est magnifique. Oh, la boîte. Ouais. À force de regarder en bas, on en oublie en haut. On va manger une boîte de conserve parce que ça me fait un peu peur la vie. Parce que maintenant qu'on a un ouvre-boîte, voilà, ça augmente un peu l'eau, ça augmente de 500 calories, c'est énorme, c'est beaucoup. Ici j'ai fait. Ouais, ici j'ai fait. On a deux toilettes. Où c'est qu'on peut récupérer de l'eau? Ok, alors. Ok. Je crois que la chemise rouge est mieux que la blanche. Mais elle est en piteux état, c'est ça le problème. Réparer les vêtements, c'est important. Hein. Je le dis pas assez, mais c'est très très important de faire ça. Genre avoir tout au-dessus de 50% quand vous avez la chance de pouvoir le faire, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Ok, par contre, on est assez lourd. On est vraiment lourd. Alors attends, on va balancer des trucs là parce qu'on est trop trop lourd. Chopa chopa chopa, hop ça. Hop. Quoi, en fait... Oh la vache, tombe. Ça m'a fait peur cette conne. On peut faire du feu à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Si jamais on revient là, on aura de l'eau. C'est bon? C'est bon. On va récupérer ça. On va faire une belle nuit. Je vérifie une deuxième fois, vite fait. Hein? Moi aussi. Toujours d'abord les pourcentages les plus bas, puis après on passera au à ça. Voilà, bois, bois, bois. Alors, si elle est encombrée, je crois qu'il y a des chances qu'elle se... Qu'elle se... Genre, qu'elle se... Qu'elle se foule la cheville. Ou des choses comme ça, donc ça c'est dangereux. D'être toujours encombré. Si c'est pas de beaucoup, vous pouvez rester des heures et des heures, mais si c'est de beaucoup, en fait, plus c'est gros l'encombrement et plus vous avez de pourcentage, je pense, de vous casser quelque chose, quoi, ou de vous fouler quelque chose, plutôt. Donc, faire attention à ça. Ok, il commence à faire nuit, très bien. Donc, on va commencer à s'occuper de nos vêtements. Gilet de sport... Gilet duveté, on va faire ça. Réparer 30 minutes. Oh, on en a deux. Oh, pas bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà, très bien. We need anything right now. J'aime bien comme elle parle. Des fois, elle s'énerve en fait, on dirait. On dirait qu'elle gueule un peu. 82% toi tu restes, 93% toi tu restes. On a du 50 ici, on a du 91. Eh, le reste est pas mal, hein. Le reste est vraiment pas mal. Vos vêtements aussi, si jamais vous étiez pas au courant. C'est bien parce qu'on prend des niveaux. Vos vêtements, s'ils arrivent en dessous de 0, ils sont morts. Et vous pouvez pas les réparer, rien, il faut les jeter.
Donc si vous trouvez un truc rare, genre un manteau, un coupe-vent ou un truc comme ça qui est extrêmement rare, extrêmement bien, vous l'avez mais vraiment dans le cul, franchement, si jamais vous le déchirez quoi. Manche, chemise à carreaux neuves, une chemise ou alors chemise manche longue. On va rester chemise manche longue. Là il faut du... je crois que c'était du cuir, en fait non. 91, 6% de protection, bonus de chaleur 7, on a 100%, 91, 85. Ok, on est bon, ça on jette, là aussi. Voilà. À la limite, désolé, mais j'aime avoir de l'ordre. Ça, par contre, c'est un truc qui rend fou. Et je vais sûrement vous rendre fou à un certain moment. Mais on va mettre tout au même endroit. Voilà, là, on a mis de l'eau. Et là, on va le mettre ici. On va mettre les vêtements par terre. Les vêtements en trop. Ah, très bien. Temps froid, c'est bien. Risque de jure qui part. Je suis content. On est en début de nuit. Il faut encore, qu'on dure un peu de temps. Faut que, je sais qu'elle est fatiguée, mais faut qu'on. Qu'on arrive à tenir encore un peu parce que là on va pas faire une. En fait on va faire une nuit mais il sera encore. Il fera encore jour. Il fera encore nuit, pardon, quand on va se réveiller. On va se mettre là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps? On va pas faire de feu, ça serait du gâchis. Là on a du charbon, ça on a ça, on a ça. Ah, on pourrait faire. On pourrait faire la map avant qu'il fasse complètement nuit. Je sais pas si on peut. Attends. En fait, je suis allé du mauvais côté, évidemment. Ah, il y a une porte ici aussi. Il y a trois portes en fait. Ah putain. Voilà, là il fait chaud là. Des pierres, du charbon équipé. Hop là. Voilà, ferme et grange. Parfait. Maintenant on rentre. Parfait. On va monter à l'étage. Ici, ça va être notre chambre. Alors, deux secondes. On est presque à presque minuit. On va manger, on va prendre ça. Ok, très bien. Tu viens juste de manger un truc. Arrête de te plaindre. On a ça, on a des boyaux frais. Ce qu'on pourrait faire, c'est des pansements. Parce que les pansements, c'est important. Les pansements, c'est important quand on a des hémorragies, en fait. Il faudrait toujours en avoir quelques-uns de près, en fait. Tout simplement. Voilà, on en a 4, c'est très bien. Pas plus. Les barbes de Jupiter, on n'en a pas assez. Ça, c'est pas assez. Torche, on n'a pas de combustible pour la lampe. Donc, on peut pas. On peut pas lire. On a des livres, on a ça, on a un journal, on peut en faire deux fagotins. Quoiqu'à la limite on s'en tape parce qu'on a beaucoup de têtes en fait. Les têtes c'est pareil que les fagotins, donc ça à la limite on s'en fout. Ça aussi on s'en fout, on a la loupe, c'est très bien. La loupe faut vraiment l'utiliser pour faire du feu. Donc c'est ce qu'on va faire. Enfin qu'on peut en tout cas.
toujours... c'est toujours... Ouais, il fait trop sombre. C'est toujours facile à dire, hein. Il faut utiliser ça, il faut faire ça. Mais la loupe, c'est super chiant à utiliser, surtout en intrus, parce qu'en intrus, en fait, il y a beaucoup de... tout ce qui est de... comment dire... de brouillard. Le temps est toujours très mauvais, en fait, en intrus, donc... donc c'est pas très facile. Ok. Bon bah c'est bon, il faut qu'on mange un tout petit peu plus. On a combien? On a 600. Il nous faut 800 à peu près, je crois. On va manger 600. Ça fait chier. On va prendre ça. Je vais pas utiliser 500 comme ça pour rien, quoi. 10 heures. 10 heures, c'est parfait. C'est parti. On va être en pleine forme. Oh, starving. Elle est marrante, elle. Ok, on va boire. Donc, il fait juste jour. Nous avons récupéré énormément. Dis-moi qu'on... oh la vache, 34, 48. On a récupéré énormément de vie. On va récupérer un litre ici. On a 3 litres, on va tout prendre. Tout prendre. Chop, 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 chop. Voilà. Bon. On est bien, mais comme j'ai dit, on est un peu plein. Ça, c'est un peu emmerdant. On va laisser les deux bouteilles d'eau sur la table. On va pas les prendre. Parce que sinon, on va être trop lourd. Et enfin, on est déjà trop lourd. On va même en remettre une. C'est un peu bizarre ce que... putain, bois pas. C'est un peu bizarre ce que je fais, je sais, mais c'est pour... si jamais on revient plus tard, genre on aura de l'eau déjà, c'est cool. Donc, pourquoi pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est, par contre, ça c'est mon truc, ça c'est... enfin, qui c'est qui fout les chaussettes sur la table? Faut pas foutre des chaussettes, c'est dégueulasse. Bande de malpolis. Voilà, très bien. Et maintenant, on va s'asseoir sur le dossier de la chaise. Et nous allons lire un tout petit peu. Voilà, 3 notes. Alors, page d'un journal d'alpiniste. Une page d'un journal d'alpiniste trouvée près de la base du mont Timberwolf. Donc ça, je crois que c'est la première cabane qu'on avait trouvée quand on a commencé notre survie. 5 septembre, je suis arrivé au pied du mont Timberwolf. Crevasse intéressante en vue, comme Clive l'avait promis. Je vais installer une moulinette et faire un peu de bloc le temps que les autres arrivent. Je sais pas ce que ça veut dire, faire un peu de bloc. J'espère qu'ils ne tarderont pas. Le 6 septembre, toujours pas là. Mes amis se sont-ils perdus? J'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit assourdissant. La montagne était en feu. J'ai voulu sortir voir, mais le temps a viré à la tempête. Pas moyen de m'orienter. Je pense qu'il a peut-être vu le crash de notre avion. C'est possible. 7 septembre, journée dégagée. Je suis ressorti. J'ai trouvé des caisses de fret en métal. Ouais, c'est sûrement notre avion, ça. Sûrement tombé d'un avion. Il y a encore de la fumée qui sort du mont. Je vais tenter d'atteindre le sommet pour mieux comprendre ce qui se passe. Peut-être que cette personne est morte en essayant de nous trouver. Note abandonnée. Les rationalisations d'un de vos prédécesseurs survivants. As I... oh merde, c'est en anglais. As I plan goes to seed in the fall, a period of hibernation sets in until spring. Ok, donc en gros... Il a des graines qu'il a foutues dans la terre avec beaucoup de soleil.
Faut les tenir humides, mais pas mouillés. Keep seeding in the night, single shock, stun, plantes. Ok, il parle de plantes en fait. Ok, donc ça c'est une recette en fait pour garder des plantes en vie pour qu'elles passent l'hiver. Et je crois que ça c'est les gens qui ont payé pour le Kickstarter. Bon, c'est un peu con que ça soit pas traduit en fait. Note abandonnée, pareil, là ça va être pareil. Bread is about to depart for one part. Ouais, ok, ça c'est pour du pain. Donc la farine, de l'eau, du sel. Ça c'est le truc pour faire monter la farine. Comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai oublié. Blablabla, ouais. Bon, ça c'est pour faire du pain, voilà. Si vous voulez faire du pain, bah, vous prenez ça et c'est une recette pour le pain. C'est un peu con. Je pense que ces notes comme ça qui ont été faites par les... par ceux qui ont aidé pour le Kickstarter vont pas être traduites, donc elles restent en anglais. Mais elles sont pas très très intéressantes à lire parce que je crois qu'il y a aucun rapport avec l'histoire principale ou du monde, en fait. C'est juste, voilà, des conneries qu'ils ont voulu mettre, quoi. Bon, après, c'est pas des conneries non plus, mais bon, c'est pas très très intéressant. Hélas. Bon, allez, on sort. Par contre, j'ai peur que le temps soit un peu pourri. Ah ouais! Ah ouais, quand même. Bon, par contre, il y a du vent. Il y a la voiture ici. Alors, ce que je voudrais aller voir... Alors, je sais pas de quel côté c'est, par contre. Je pense que c'est là-bas. Ce que je voudrais... Ouais, ouais, c'est là-bas, parce qu'il y a la bordure, là. La bordure en bois. Oh, mon Dieu. Pourquoi je veux... Allez là, c'est parce que il y a une chance. Comme j'ai dit, il y avait une petite cabane de trappeur. Et je crois qu'elle est là-bas. Bon, si elle y est pas, on rentre, hein, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Mais bon. Vu qu'on est en très bonne santé, autant un peu s'aventurer, un peu tenter. Oh, ça s'est calmé. Je crois. On dirait que ça se calme. Par contre, il n'y a pas de corbeau, rien. J'ai pas l'impression. Serre. Putain, j'ai cru que c'était un loup, j'ai dit. Oh. Quel bonheur de voir un cerf à la place. Alors, je sais pas trop où elle est, la petite cabane, mais... S'il n'y a rien derrière ces rochers là, c'est que je suis, on fait demi-tour. Bah, je crois que je l'ai trouvé. On prend tout le bois qu'on peut. Et je crois que au final on va devoir rentrer. On a beaucoup de bois sur nous. Je pense qu'on va rentrer et on va dormir des heures en plus. Comme ça, on retournera à la grange. Ouh, j'ai cru voir des... Oh yes, ça c'est bien ça, on a bien fait de venir. Enfin, c'est rien de très très impressionnant, mais... C'est déjà quelque chose. Plume. S'il y a des plumes, c'est-à-dire qu'il y a des corbeaux. Ah, mais peut-être qu'il y a un temps de merde, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de corbeau. Ok, maintenant, on rentre. On va faire le tour du caillou. Ouais, là, on va geler sur place, par contre. Bon, le problème, c'est qu'on a des loups sur la route. Oh, on a le vent plein. Oh la vache.
Ok, là j'avoue que si ça se calme pas, si ça change pas de direction, car il y a des loups en plein devant, donc on va pas pouvoir sprinter si on est repoussé par le vent. Si ça change pas, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, là on est dans la merde. Ou alors je fais le tour. Là-bas c'est le pont. Oh putain, loup là. Loup là-bas, ok, ça va. Putain. Oh la vache, il y en a trois. Ok. C'est horrible. Ah non, 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 non. Non. Putain, reprends ton sprint. Oh la vache, on est dans la merde. Je crois que je l'entends. Bon, j'ai toujours des boyaux sur moi. Ok, ok, là on est un peu. On peut un peu tourner. Oh, il est là. Ah, il m'a flairé, hein, cet enfoiré. Il m'a flairé ou il m'a vu? Deux. Oh la vache. Peut-être qu'il m'a vu parce qu'il va pas. S'il me sentirait, en fait, il me. Il irait dans ma direction maintenant, mais là non. Bon, hélas, ça va pas être très. Très intéressant aujourd'hui. Il fait trop froid. Il fait légèrement trop froid. Ah, fait chier. On est mouillé. Ça, c'est chiant, ça. Putain, on a 37 kilos. On a trop de bois. On est lourd, on est lourd. On est très lourd. Ça, c'est un gros problème. Et à un moment, on va devoir y remédier. Mais quand on partira, on y remédiera. Remédiera. Voilà. On va prendre ça. On va dormir pendant 2 heures. Et après, on va partir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au pont. J'explique avant qu'on dorme, parce que sinon, ça va être la merde. On va aller au pont. Ça serait bien de pouvoir voir à l'extérieur des fenêtres, comme ça. Genre, je pourrais dire, on va là-bas, machin. Ça serait vraiment cool. Mais bon. Donc, le pont. Parce que je sais qu'il y a des voitures, et c'est un peu. Enfin, oui, il faut faire un petit détour, mais c'est plus ou moins vers le chemin de la grange. Puis après, on retourne dans la grange, la première grange où c'est qu'on était. Et puis après, tout simplement, on sort de la zone et on va dans... si je me rappelle bien, on va passer par une grotte, par une mine. Et après, on se retrouve sur l'autoroute. Et l'autoroute, c'est où c'est qu'on va vivre. Et c'est à ce moment-là, c'est dans l'autoroute qu'on va rester un très long moment. Je sais qu'on va passer quelques jours, beaucoup de jours. Mais on va se buffer à mort. C'est-à-dire qu'on va, avoir du bon équipement d'abord. On va être plein, je pense. On va faire de la bouffe aussi, on va récupérer du poisson et tout. Et après, on va devoir partir pour aller créer notre couteau. Parce qu'en intrus, on ne peut pas récupérer de couteau, on ne peut pas trouver de couteau et on ne peut pas trouver de hache, de hachette. Donc on va devoir les crafter, tout ça. Et pendant qu'on passera la mine, on va aussi récupérer du charbon. On en a 7. Ah non, c'est pour dessiner celui-là. Non, non, moi je parle du charbon pour le feu. Charbon pour le feu. Il va falloir récupérer du charbon, du bois et beaucoup de fer. Voilà, parce que là on a vraiment rien du tout en fer et ça c'est un problème. On n'a pas de scie, c'est embêtant, on peut pas récupérer du fer en sciant des choses en métal. Mais il va nous falloir pas mal de métal pour faire des pointes de flèche en fait, tout simplement. Et après on va faire un arc, etc, etc. Donc voilà, ça va être le... La grande vadrouille en fait, hein. On va partir, tout ça, ça devrait bien se passer. Mais pour l'instant, j'avoue que ça se passe bien. Donc 200, ouais, c'est bien.
Ça se passe très bien, voilà, on est bien. On va faire dormir pendant 2 heures. Et quelle heure? Midi, on va dormir 2 heures, on va se réveiller vers 1 heure, je pense. 1 heure, 2 heures de l'après-midi. Puis après, on repartira, comme j'ai dit, voiture, pont, voiture et grange.